Madame Lagarde est renvoyée pour négligence ayant permis un détournement de fonds publics. Ce détournement de fonds publics fait l'objet d'une information judiciaire qui est actuellement en cours chez Monsieur Tournaire. Donc il s'agit du côté de l'instruction parisienne de dire si oui ou non il y a eu un détournement de fonds publics et à qui, si c'est oui, à qui on peut l'imputer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette information judiciaire n'est pas terminée. Donc ce que je dis simplement, je ne vois pas comment en quelques jours la Cour de justice pourrait venir constater l'existence éventuelle ou la non-existence d'un détournement de fonds publics alors que c'est l'objet même de l'information judiciaire. Elle est tout à fait confiante et bien déterminée à que soient écartées les accusations portées contre elle. Elle est bien déterminée. Je rappellerai d'ailleurs qu'elle a demandé elle-même au conseil d'administration du FMI que son immunité soit levée parce qu'elle bénéficie d'immunité, parce qu'elle souhaitait venir ici, se présenter devant les juges et discuter pied à pied les accusations portées contre elle. Vous attendez... Avec un accent, non, tu vas vouloir.